Docteur, une femme peut être évangéliste. Oui. Docteur, une femme peut être apôtre. Oui. Docteur, une femme peut baptiser quelqu'un. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas où est le problème quand une servante de Dieu, quand Dieu s'est choisi quelqu'un comme servante, on peut l'interdire. Mais pour la femme ordinaire, pour l'homme ordinaire, même pour l'homme, l'homme qui n'a pas l'appel, moi, je ne peux pas l'autoriser d'entrer dans le ministère de la parole. Mais la femme qui a l'appel, elle peut le faire. Une femme ordinaire qui n'a pas reçu l'appel de Dieu, qui n'est pas appelée au ministère de la parole, ne peut pas le faire. Un homme ordinaire qui n'est pas appelé au ministère de la parole ne peut pas le faire. Mais quand un homme, Dieu le choisit, il devient serviteur de Dieu. Quand une femme, Dieu le choisit, elle devient servante de Dieu. Là, Dieu dit, je répandrai mon esprit. Là, Dieu vient de préciser maintenant. Et sur les serviteurs, et sur les servantes. Là, une femme ou bien l'homme ordinaire, non. Mais quand on devient serviteur et servante de Dieu, là, directement, on est candidat et on peut prophétiser. On peut parler de la part de Dieu. De toute la Bible, dans toute la Bible, Dieu et Jésus n'ont jamais eu de problème avec la femme. Il n'y a que Paul. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais eu de problème avec la femme. C'est seulement Paul. Il n'y a que Paul. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais eu de problème avec la femme. C'est Paul. Dieu n'a jamais eu de problème avec le problème de prêcher de la femme. Et Jésus n'a jamais eu de problème avec les problèmes des prêchés de la femme. Il n'y a que Paul. C'est quoi? Bah des sévaillés ou bien... C'est ça le grand problème. Est-ce que Paul s'était marié? Il ne s'est jamais marié. Est-ce que tu connais le problème qu'il avait avec des femmes? Or, quelqu'un qui a des problèmes avec des femmes, toi tu penses qu'il peut parler toujours en bien d'eux? Dites-moi un peu. Il a refusé de se marier. Toute sa vie, on ne parle nulle part où il s'est marié. Ça veut dire que, personnellement, il y avait un problème. Même si je suis spirituel comment, Papa Elkana, si j'ai un problème avec toi, si je te déteste, même s'il faut parler de toi comment chez les hommes, je ne dirai rien de bien, de bon. Parce que j'ai un problème avec toi. Le problème d'abord, c'est de savoir pourquoi il ne s'était pas marié. Et pourquoi... Donc, un monsieur qui ne s'est jamais marié et qui vient vous dire que la femme s'était... Et puis, il y a quelque part, il y a un verset où il dit, je ne permets pas à la femme... Oui, d'enseigner. Il dit, je ne... Il parle de lui. Oui! Et puis, il y a des choses que le peuple de Dieu doit savoir. En Israël, il y avait problème des femmes. Dès le commencement, on nous cite toujours des hommes, à part Adam et Ève. Sur les enfants d'Adam et Ève, pas de femmes. On ne parlait pas des femmes. La femme qui perdait le sang, il n'y a pas de nom. Or, il y avait... Adam et Ève avaient des femmes, avaient des filles plutôt. Ouais. On ne donne pas le nom. En Israël, on nous dit, Jésus a multiplié le pain, il a donné... Il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants.